champ de jus. Manifeste-toi. Oh papa, laisse-moi du matin. Manifeste-toi. Oh Yahweh, laisse-moi agir. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Bienvenue sur notre plateforme de Assez est assez, là où la délivrance se manifeste, là où la paix de l'Éternel se manifeste. Alléluia, alléluia. Si tu es là ce soir, je te dis bienvenue, 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 bienvenue. Que la grâce de l'Éternel se manifeste dans ta situation maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rambaba yashendebo, kesi karadeya, wastiki balabado, yesi kababa, randa karadabaya sanda. Quelque chose va se passer ce soir. Alléluia, alléluia, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ce soir avant la fin de cette émission, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ce soir avant la fin de cette émission, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour que toi, tu sois la personne à qui cette porte va s'ouvrir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si tu es là ce soir, nous allons nous dire le bonsoir, le bonsoir. Alléluia, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Bonne arrivée sur notre plateforme de délivrance, notre plateforme de prophétie, notre plateforme de guérison, la plateforme de assez est assez. Alléluia. Oui, la grâce de l'Éternel manifeste, 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 manifeste dans des vies ce soir, dans le nom puissant de Jésus, dans ce moment, pendant ce moment actuel où tout est difficile, tout est confiné. Éternel Dieu des armées, ta grâce se manifeste, ta grâce se manifeste. Ta grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que l'Éternel se révèle une fois de plus encore dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, avant même de continuer ce programme, je déclare un moment de guérison pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Toute manifestation de la sorcellerie contre toi, je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je dis, sorcier aux sorciers, qui s'est levé contre toi, sorcier qui veut utiliser, oui, qui veut utiliser la stratégie de, comment on appelle le truc là, de coronavirus
pour venir t'attaquer, pour venir attaquer ta maison. Je prends autorité et je me mets à ton côté. C'est pas à ton côté ou bien de ton côté. Mais je me mets auprès de toi et je me mets dans toi, ton équipe, contre cette manifestation de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce que je vois actuellement? Je vois une manifestation gigantesque de la sorcellerie à travers le programme de coronavirus qui est en train de se manifester actuellement. Les démons veulent utiliser ce chemin pour pouvoir faire encore plus de mal. Mais je prends autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je déclare le feu de Dieu dans la vie de celle ou celui-là qui est en train de regarder cela actuellement. Reçois ta délivrance. Reçois ta percée. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui ou celui qui va mentionner ton nom dans la sorcellerie. Celui ou celui qui va mentionner le nom de tes enfants, le nom de ta famille, le nom de ta relation, le nom de ta carrière, le nom de tes finances dans la réunion de la sorcellerie. Le feu, fire by fire. Toutes les réunions qui sont faites contre toi, j'envoie le feu de Dieu pour les diviser. J'envoie le feu de Dieu pour les séparer. J'envoie le feu de Dieu pour envoyer la confusion dans leur camp au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois maintenant même ta victoire. Ta victoire contre la sorcellerie. Reçois ta victoire. Ta victoire contre les sorciers. Reçois ta victoire. Ta victoire contre l'envoûteur. Reçois ta victoire. Ta victoire maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guerre contre tout envoûtement. Je déclare la guerre contre toute sorcellerie. Je déclare la guerre contre toute sorcellerie de loin, de près. Toute manipulation. Je déclare la guerre au nom puissant de Jésus. Tant que l'Éternel est Dieu, Satan a perdu ce combat. Tant que l'Éternel est Dieu, Satan a perdu ce combat. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu n'iras pas, tu ne finiras pas avec ce programme tant que l'Éternel Dieu des armées ne t'a pas touché. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Il sait ce que tu me bénisses. Et c'est ce qui se passe ce soir. Quelque chose va se passer. Avant que ce programme ne finisse, quelque chose de bon va se passer. Je prie pour toi déjà. Là où tu te trouves, reçois ta percée. Reçois ta portion. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta prophétie. Reçois tes paroles de connaissance. Reçois ce que tu as cherché pendant longtemps. Que tu reçoives cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bonsoir. Rekabaya shendebo, resikababaya sanda, rende bebe, rianabaya shendebo bobo, rosike beke shikabaya sanda, babaya sanda, reçois là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, il y a quelque chose qui se passe, alléluia. Je sais que, regarde ici, je vais parler à une sœur, je ne connais pas ton nom, mais tu vas t'identifier, parce que l'Éternel Dieu des armées va te localiser. Je vais parler à une soeur, tout est bloqué, tout est cassé. Regarde, ça n'avance pas. Le plus tu essaies, c'est là même que les situations deviennent difficiles. La soeur, écoute-moi bien. Dieu que tu sers n'est pas un Dieu de hasard. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui n'est pas capable. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui est bloqué. Le Dieu en qui tu as mis ta foi n'est pas un Dieu qui dit et ce qu'il dit, il ne l'accomplit pas. Il n'est pas un Dieu qui est menteur. Il n'est pas un Dieu qui a sommeil. Je veux te rassurer une chose. Oui, c'est vrai. Actuellement, tout est bloqué, tout est cassé. Mais mon Dieu me dit ce soir de te dire, regarde, tu as vu la fin de ta situation. C'est la fin de tes problèmes que tu as vu comme ça. Parce que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie. Je parle à une sœur. Regarde, prends cette parole. Je sens cette puissance de l'Éternel ici dans ce studio ce soir. Je dis bien, je parle à une sœur. Prends cette parole. Tu viens de voir la fin de ta souffrance. Tu viens de voir la fin de tes problèmes. Tu viens de voir la fin de tes circonstances. Les circonstances négatives. Maintenant même, l'Éternel Dieu des armées déclare une saison de liberté, une saison de bénédiction, une saison de délivrance.
Reçois, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Là où tu es, peu importe là où tu es, dis Amen. Maintenant même, regarde, deviens un évangéliste ou bien une femme évangéliste. Et commence à partager. Tout à l'heure, commence à partager. Mais je veux dire bonjour à ceux qui sont là et ceux qui arrivent. Je veux dire bonjour à Rita. Je veux dire bonjour à China. Je veux dire bonjour à Louise, à Adams. Je veux dire bonjour à Pella, Sophia, à Rosine, à Jazz. Je veux dire bonjour. Je veux dire bonjour à Blanche Eva Kwaku. Je veux dire bonjour à Ngo Rose. Je veux dire bonjour. Bonjour et bonsoir, Madeleine. Bonjour, bonsoir, Julien Trabi. Bonjour, bonjour, bonjour. Que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de ces personnes. Maintenant même, la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et ce pourquoi tu es ici, sur cette plateforme ce soir, je prie pour que tu puisses vraiment accéder à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es venu ici, sur cette plateforme, pas pour jouer, pas pour perdre ton temps, mais pour rencontrer l'éternel Dieu des armées. Et je prie en ce moment présent que tu puisses rencontrer ce Dieu, maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir à Rosine Adja, à Rosine Adjakra, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu es là, je vais dire bonsoir à toi en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Bonsoir et bonsoir et bonsoir et bonsoir. Dans ce temps de confinement, on est confiné avec le Saint-Esprit. On est confiné avec la guérison. On est confiné avec la sécurité. On est confiné avec la délivrance. On est confiné avec la restauration. Oui, je dis bien, tu n'es pas dans une prison de Satan. Tu es dans une prison de l'éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Et il est avec toi. Et quand Jésus est avec toi, la paix c'est ta portion, la paix c'est ta portion, la joie c'est ta portion. Oui, je dis bien, la joie c'est ta portion. Oui, je dis bien, la faveur c'est ta portion. Quand Jésus est dans tes affaires, hey, le vin peut finir pendant le mariage, mais quand Jésus apparaît, il transforme ton eau en vin. Oui, je te parle de ce Jésus là, je te parle de ce Jésus. Reçois ta portion. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Nous sommes sur la phase de salutation. Léa Edwidge, reçois maintenant même. Eliane Ninon, reçois dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées a commencé à faire des choses. Peut-être trop de témoignages actuellement. Alléluia. Des témoignages dans la vie de ceux-là qui en ont marre de leur situation. Alléluia. Voilà ce que nous allons faire. Vous qui êtes en ligne actuellement, voilà ce que tu vas faire pour ta délivrance. Tu vas commencer à envoyer le mot de assez est assez. C'est notre parole, notre phrase de délivrance. Envoie assez est assez. Écris assez est assez. Parce que pendant que tu écris cette parole, tu es en train de déclarer toi ta saison, ton temps de délivrance. Tu es en train de déclarer ton moment de délivrance. Je suis en train de dire que oui, j'en ai marre de cette situation. Assez est assez. Assez est assez. Alléluia. Assez est assez. J'en ai marre de cette situation. Il faut un changement. Il faut un changement. Oui, il faut un changement. J'en ai marre de ce cas. Il faut un changement. Il faut un changement. Je ne peux plus m'asseoir dans cette situation tout le reste de ma vie. Il faut que quelque chose change dans le nom puissant de Jésus. Hey, Satan, dégage. Dégage de la vie de cette dame. Dégage de la vie de ce frère. Dégage de la vie de cet homme. Dégage de la vie de cette sœur au nom de Jésus. Satan, je te déclare la guerre dans le nom puissant de Jésus. Dégage, 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 dégage. Assez est assez. Alléluia. Assez est assez. Je n'ai marre de cette situation. Il faut un changement. Il faut un changement. Il faut un changement. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Il faut un changement. Il faut un changement. Regarde, il faut prendre la décision. C'est quand tu vas prendre la décision que les choses vont commencer à se transformer. Si ça ne va pas dans la maison, prends une décision. Et il faut dire actuellement, assez est assez. Si tes finances n'avancent pas, prends une décision et déclare assez est assez. Si ta relation n'avance pas, prends une décision et dis assez est assez. Si dans la famille ça ne va pas, prends la décision et écris assez est assez. En écrivant assez est assez, ta délivrance est manifestée. Ta délivrance est manifestée. Les anges se mettent au travail et vont commencer à travailler
en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, quand le boulot n'avance pas, assez est assez. Oui, quand la santé est affectée, actuellement, le virus est en train d'attaquer tout le monde. Ce virus qui n'a pas peur de quelqu'un, qui rentre partout, qui sort partout. Ce virus est en train d'attaquer partout. Mais assez est assez. Parce que le virus qui veut venir vers toi n'est pas toi ta portion, ni la portion de tes enfants, ni la portion de ta famille, ni la portion de ceux-là qui sont dans ta maison. Assez est assez. Tu ne vas pas répéter l'histoire de la famille. Tu ne vas pas répéter la médiocrité de la maison. Tu ne vas pas répéter la médiocrité de la vieille, la médiocrité du vieux, la médiocrité des grands-pères, la médiocrité des grandes-mères. Tu ne vas pas répéter cela. Tu es une nouvelle personne. Tu dois vivre une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus. Car celui-là qui est en Christ est une nouvelle personne. Tu dois commencer à vivre une nouvelle vie. Tu ne dois pas aller à travers les conséquences des péchés des parents, les conséquences des péchés des ancêtres. Cela n'est pas ta portion. Reçois maintenant. Assez est assez. Alléluia. J'attends ta parole. J'attends ton commentaire. Assez est assez. Assez est assez. Dans le nom puissant de Jésus. Assez est assez. Les portes qui sont fermées doivent s'ouvrir ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Invite. Dans le nom de Jésus. Assez est assez. Assez est assez. Dans le nom puissant de Jésus. Assez est assez. Il faut un changement. Je ne suis pas un accompagnateur. Tu n'es pas un accompagnateur. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour assister au mariage des autres. Tu n'es pas venu pour assister à la graduation des autres. Tu n'es pas venu pour assister à la guérison des autres. Tu n'es pas venu pour assister au témoignage des autres. Mais toi, ton témoignage aussi doit être lu. Toi aussi, ta guérison doit être révélée. Toi aussi, ton mariage doit être célébré. Toi aussi, ta joie doit être célébrée. Toi aussi, ton anniversaire doit être célébré. Tu n'es pas venu pour voir le succès des autres. Mais toi aussi, on doit voir ton succès. Assez est assez. Tu ne dois pas continuer de répéter la même chose, la même négativité, et tous les jours, il faut un changement. Voilà pourquoi ce soir, je déclare un temps de changement dans ta situation. Pendant que tu regardes ce programme ce soir, je déclare sur le plan prophétique un temps de changement. Je déclare un moment de changement. Je déclare un temps de changement. Maintenant même, reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là? Nous allons partager nos vidéos. Alléluia. Je vais te demander de partager la vidéo. Rita Zadi, partage la vidéo. Je vais te demander de partager. Gaël Fumba, partage la vidéo. Saint-Yassi, partage la vidéo. Victoire Divine, partage. Michel Lotin, Silo, partage la vidéo. Virginie Ouon, partage la vidéo. Bénédicte, partage la vidéo. Partage la vidéo, alléluia. Maintenant même, partage, fais ta part d'évangélisation, fais ta part de pouvoir toucher les gens. Alléluia, alléluia. Francky Roland Brou, partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Adiakra, partage la vidéo, alléluia. Madeleine, Emma Clarisse, partage la vidéo dans le nom de Jésus. Eva Kwaku. Partage la vidéo dans le nom puissant de Jésus. Pella Sophia Bahamé, partage la vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose est en train de se passer. Parce que pendant que les gens partagent la vidéo, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Partage la vidéo. Dans le nom puissant de Jésus. Il faut qu'on touche un grand nombre de personnes en ce jour. Dans le nom de Jésus. En ce moment où les gens sont découragés, où les gens sont affectés. Que ce soit à l'église, en dehors de l'église. Tout le monde est touché actuellement. Alors, nous allons partager la vidéo pour pouvoir toucher les gens. Actuellement, c'est difficile. Même les passes d'Internet, les gens n'arrivent pas à les avoir. Donc, ça devient très, très difficile. Mais avec le Seigneur, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage la vidéo. Rokabaya Sandebo, Rezegebekeshinda, Landebo, Randebaya Sandebo.
Alléluia, alléluia. Éternel Dieu des armées, oui, il est là, il est ton Dieu. Et c'est lui-là qui a commencé le travail dans ta vie. Et c'est lui, comme il a commencé ce travail, je vais te dire une chose. Regarde, il ne va pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Il a commencé à se manifester dans ta vie. Il va continuer jusqu'à à finir ce travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois un témoignage venant vers toi. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Ouais, continuons de partager. On va atteindre vraiment le nombre de partages tout à l'heure. Continue de partager, ne t'arrête pas. Partage dans le groupe, les gens ont besoin. Les gens ont besoin. Dans le groupe de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, partout, il faut les partager pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vois, la grâce de Dieu commence à se manifester. La grâce de Dieu commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait eu des fermetures, voici maintenant que des bonnes ouvertures se manifestent au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait eu des blocages, voici maintenant que une délivrance commence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage, on n'a que partager. Combien là? 57 actuellement. Nous sommes beaucoup actuellement en ligne. Partageons pour toucher le nombre de personnes. Alléluia, alléluia. Pendant que tu partages, je parle dans ta vie maintenant. Là où la main de tes parents n'a pas pu arriver, il faut que toi, ta main arrive là. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie que ta main arrive là au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu aboutir, ceux qui n'ont pas pu faire, que toi, tu arrives à faire cela au nom puissant de Jésus. Partage. Oh oui, partage. Alléluia. Partage. Rokebaya sana. Renebo. Partage et touche un grand nombre de personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah ouais, tu partages, tu finis de partager. Tu m'envoies les mots. Il y a qui m'envoie un mot, il y a quelqu'un qui m'envoie un mot que j'ai partagé. Ouais, c'est bien. Partage encore. Alléluia. Partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de paix et de bonté. Dieu de joie, Dieu de fidélité. Dieu de miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Que la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la gloire te revienne en toutes choses. Et que ce qui se passe actuellement dans le monde entier, Seigneur, prends le contrôle total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia. On continue de partager. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends ce soir? Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Zekabaya Shada. Est-ce que tu es là? Voilà. La grâce de Dieu continue. La grâce de Dieu continue. Je vais déjà te rassurer que, regarde, cette maladie qui se promène actuellement n'est pas ta portion dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Il dit que ce n'est pas ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que si l'Éternel est pour toi, personne ne pourra réussir contre toi. Si l'Éternel est dans ton bateau, personne ne pourra réussir à faire effondrer ce bateau. Alléluia, alléluia. L'Éternel est pour moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est pour moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ta lumière. Tu ne marcheras pas dans l'obscurité. Regarde, écoute-moi très bien. L'Éternel est la lumière de ta vie. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel, Dieu des armées, est ton salut. Tu ne manqueras de rien. Il est ton berger. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne manqueras de rien. Oui, c'est vrai, Satan utilise ses agents afin de se lever contre toi. Mais toi, tu vas sortir avec la victoire. La situation à laquelle tu fais face actuellement, la fin de cette situation est une victoire pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Sikabaya Sanda. Rokeboye Sendebo. Randa Baba. Riyadabaya Shanda. Yes. Dis Amen. Alléluia. Je suis en train de faire mes derniers partages. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer le partage. Alléluia. Merci Roi des Rois.
Merci, roi des rois. Il n'y a personne comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se mesurer à toi, nul ne peut être comme toi dans le nom puissant de Jésus. Je te vois, tu as fait de mauvais rêves. Et tu es là, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait de mauvais rêves où tu t'es vraiment, comment on appelle, où tu t'es associé avec plusieurs personnes, mais ce sont des personnes qui ne sont plus en vie. C'est-à-dire que tu as eu un bon moment que tu as passé avec des personnes qui sont mortes. Voilà, c'est le rêve que tu as fait et ça te mélange jusqu'à présent. Dans le rêve, tu étais bien, tu étais tranquille, tu étais en paix, tu étais OK avec eux. Mais quand tu t'es réveillé, il y a la peur qui t'a saisi. Voilà, je te vois actuellement, c'est ce qui se passe. Tu as fait un rêve et le rêve actuellement t'a effrayé. Et voilà ce que je viens d'expliquer. Voilà, c'est ce qui se passe. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Parce que là, c'est une invitation satanique. L'esprit de mort t'invite afin de pouvoir participer à leur table. Et quand tu vas quitter là, quand tu vas te réveiller, tu vas commencer à avoir mal de ventre. Et c'est par là que le poison va commencer. Et puis bon, ils vont finir avec toi. Et c'est ce que tu viens de voir. Alors je prie pour toi, maintenant même, je te détache de ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Ces rêves ne vont jamais revenir encore dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois ta portion là où tu es. Reçois ta portion là où tu es. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ton Amen va sceller ce que tu as reçu. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta portion. Reçois ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de traverser vraiment un moment très difficile. Oui, partout. Partout, ici, en Angleterre. Oui, même les bouts, tout est fermé. Tout est fermé, on est là. Et on attend à ce que le gouvernement puisse donner encore des nouvelles ordres. De nouvelles ordres par rapport à ce qu'on doit faire. Alléluia. Mais je vais dire une chose. Je vais dire que Satan a été utilisé à la base de cette situation. Oui, bien sûr. Nous avions, comme dans mes vidéos passées, à cause de la manière dont les gens ont fait, les gens vivent la vie des gens, la vie de sanctification du monde entier, ce que le monde est en train de faire. Et ça, cela a provoqué ce que nous traversons actuellement. Mais Satan actuellement est à la base et lui il commence à en profiter de cette situation pour détruire des vies. Est-ce que tu m'entends ici? Voilà, pour détruire des vies. Et nous avions ouvert une porte, une mauvaise porte dans la vie du monde entier. Et ça fait que la mort est rentrée. L'esprit de mort est rentré. Et l'esprit de mort a commencé à détruire au point que les églises sont fermées. Aïe, aïe, aïe. Jamais personne n'a une fois pensé à cela, que ça allait arriver un jour. Les églises sont fermées. Avant-hier, le premier ministre de l'Angleterre a déclaré les lieux de culte désormais sont fermés. Il n'y a même plus à faire de dire que oui, vous allez faire culte à deux ou à trois, culte à cinq personnes ou quoi. Non, c'est fermé. Tu vois, donc le diable, il pense qu'il a gagné, il est en train de gagner ce combat. C'est ce qui se passe actuellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avions gêné, nous continuons de gêner. Regarde, je vais te dire une chose, sois rassuré. Tout ce qui se passe, peu importe comment ça va se passer, nous aurons toujours la victoire. Mais cette fois-ci, Satan a frappé loin. Il a fermé les bâtiments de l'église, il a fermé tout. Et tout est confiné. Mais il a oublié que... Regarde, il y a une chose que moi j'ai remarqué. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui n'avaient jamais aimé prêcher ou prophétiser ou être sur les réseaux sociaux. Et ils avaient toujours autre manière de voir cela. Et peut-être, voilà, ils voyaient ça autrement. Mais depuis que Satan a commencé à se manifester et les églises sont fermées, on a pris le contrôle des réseaux sociaux. Ça, ce n'est que le début du commencement. Ce fléau va passer. Mais le contrôle que les hommes et les femmes de Dieu ont pris sur les réseaux va continuer. Et les églises seront ouvertes encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, il dit, Satan, dégage de la vie de ce dernier. Dégage de la vie de cette dernière. Dégage de la vie de ce couple. Dégage de la vie de cette soeur. Dégage de la vie de ce frère. Au nom puissant de Jésus. Quand je donnais les prophéties, c'était en novembre passé, tout juste avant mon anniversaire, c'était dans ma cuisine. Et l'esprit m'a montré que oui,
Nous allons rentrer dans une année de double portion. Mais il aura des difficultés. Et Dieu merci que j'ai fait une petite vidéo. En ce temps, je ne faisais pas vraiment trop de vidéos. Donc j'ai fait une petite vidéo sur mon téléphone. Et je n'ai pas compris ce que l'Esprit voulait dire. Qu'il aura des difficultés. Des difficultés. Et ça continuait. Difficultés, des difficultés, des difficultés. Et si vous avez bien vu sur ma page, vous allez voir que j'ai pu trouver, retrouver cette vidéo et je l'ai postée. Et quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce que ce même Dieu qui a révélé a le pouvoir de restaurer. Quand vous voyez les songes, les choses dans les songes, quand Dieu vous révèle les songes, les choses dans les songes, c'est pour dire que ça là, il y a une solution pour ça. Ça là, il y a une solution pour ça. Ou on prie pour annuler tout, ou bien on prie pour pouvoir réduire les effets négatifs de cette situation. Et si Dieu l'a révélé vraiment depuis novembre, c'est que nous allons sortir de cette situation. Alléluia, alléluia. La dernière révélation que j'ai vue, c'est quoi? Une pluie, je l'ai mis encore sur ma page, une pluie qui va prendre toute la surface de la terre. Une pluie qui va prendre toute la surface de la terre. Cette pluie sera, ça veut dire que les news vont parler de cette pluie. La pluie va prendre partout. Et cette pluie va purifier la surface de la terre de cette maladie que nous traversons. Est-ce que tu m'entends? Écris ma parole. Je te dis en prophétie que la pluie de la guérison arrive. J'ai appris que hier à Abidjan, il pleuvait toute la nuit. J'ai appris encore que je crois hier ou bien avant-hier, à Douala, il pleuvait. Les gens m'écrivent, oh, vraiment, homme de Dieu, est-ce que c'est, il s'agit de cette pluie? Il s'agit de cette pluie? Il s'agit de cette pluie? En ce temps, il ne pleuvait pas ici à Londres. Il ne pleuvait pas à Paris. Donc, la pluie dont je parle, les nations parleront de cette pluie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cette maladie, cette pandémie va disparaître au nom puissant de Jésus. Si tu es là, tu es d'accord, dis Amen. Parce que quand Dieu révèle, ça va se manifester. Le Dieu qui a révélé, c'est le même Dieu qui m'a révélé la mort du... Comment il s'appelle? De quoi on l'appelle? Le président... le vieux président de Zimbabwe. C'est le même Dieu qui a révélé que voilà ce qui allait se passer. C'est ce même Dieu qui a révélé la mort de DJ Arafat. Si vous vous rappelez bien la prophétie que j'ai donnée, si vous vous rappelez, allez-y sur ma page. C'est ce même Dieu qui a révélé cela. C'est le même Dieu qui a révélé quand l'avion devait tomber, l'avion qui est tombé il n'y a pas longtemps. C'est ce même Dieu. Et c'est ce même Dieu qui me dit de te dire sur ces réseaux sociaux ou bien sociaux que la pluie arrive pour annuler le plan, la stratégie, les programmes du diable à travers le virus actuel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois ta portion. Reçois ta percée. Reçois ta portion. Je veux parler à une sœur. Tu es bloqué. Ta situation, c'est comme il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de tête. Tout est bloqué. Je veux parler à cette sœur. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Je veux parler à cette sœur qui ne fait que pleurer depuis avant le mariage. Sinon, attends, je change ma parole. Avant que tu ne commences à cohabiter, les choses se passaient bien. Mais aujourd'hui que vous êtes ensemble, tout est mélangé, tout est bloqué. Je veux te dire une chose. Tu sais un Dieu. Tu sais un Dieu. Et ce Dieu va se montrer grand dans ta situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette percée dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler à quelqu'un ici. Ta portion qui t'appartient est actuellement bloquée par l'ennemi. Et Satan a pris le contrôle. Et Satan est dessus. Et les démons sont dessus. Et tu n'arrives pas à avoir accès à ce qui t'appartient. Voilà pourquoi je vais te dire. Maintenant, on prend l'autorité dans le nom de Jésus. By fire, by fire. Satan, relâche, 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 relâche. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir? Alléluia. Je vais prier pour Cynthia. Je vais prier pour Shaina. Je vais prier pour Eva.
Je vais prier pour Madeleine. Je vais prier pour Léa. Reçois, Léa, là où tu es. Madeleine, reçois dans le nom puissant de Jésus. Anderson, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frankie, reçois dans le nom puissant de Jésus. Julien, Calais, reçois dans le nom de Jésus. Clarisse, reçois dans le nom de Jésus. Suzanne, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Zumbrana, Patricia. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Louis Adam, receive in the mighty name of Jesus Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Maintenant même, dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 27. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est le même aujourd'hui. Merci Éternel Dieu des armées. Donnez-moi une seconde. Alléluia. Shikababa yasande bobo. Randa baba yasande be. Yesi kriyada baya sanda. Merci roi des rois, merci éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, ces personnes qui sont en lit actuellement, oh Papa Yahweh, ces personnes actuellement ont besoin de ta, ont besoin, Seigneur, de ta manifestation, de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, Seigneur, donne un témoignage, s'il y a un témoignage qui devait venir du ciel aujourd'hui, que ce soit le témoignage de cette sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, s'il y a un témoignage qui devait venir du ciel aujourd'hui, que ce soit le témoignage de ce frère, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, l'Éternel est merveilleux. Alors je commence à lire, amen, est-ce que tu es là? Je vais commencer à lire. Dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 27. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. L'Éternel est la lumière. Et elle est ta lumière et ton salut. Il faut voir un peu ce qui se passe ici. L'Éternel est ta lumière et ton salut. Alléluia. La lumière, qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Tu vois, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle de ces fléaux qui se passent actuellement. Quand on parle des ténèbres, on parle des choses qui manifestent des blocages dans ta vie. Quand on parle des ténèbres, on parle des maladies qui n'ont pas vraiment de solution. Quand on parle des ténèbres, on parle des refus de visa. Quand on parle des ténèbres, on parle des divisions, des divorces, des séparations qui ne sont pas vraiment alimentées ni inspirées par le Saint-Esprit. Quand on parle des ténèbres, on parle des attaques de la sorcellerie. Quand on parle des ténèbres, on parle de la mort prématurée. Quand on parle des ténèbres, on parle des rêves où les gens sont empoisonnés. Des sommeils, des gens sont empoisonnés et ces personnes n'arrivent pas à se réveiller. Quand on parle des ténèbres, on parle vraiment des attaques des envoûteurs. On parle des attaques des féticheurs. On parle des attaques des malfaiteurs. Quand on parle des ténèbres, on parle de la jalousie qui est autour de toi. La jalousie qui est avec toi et tu ne le sais pas. Des gens qui rient avec toi. Des gens qui marchent avec toi, des gens qui font tout avec toi, des gens qui te font croire qu'ils t'aiment, mais ces personnes ne sont jamais là. Voilà de ça on parle. Quand on parle des ténèbres, on parle de l'hypocrisie. Quand on parle des ténèbres, on parle des situations programmées par le diable. Oui, les ténèbres. Mais la Bible dit quoi? Que l'Éternel est ta lumière. Et je vais te dire en ce moment aujourd'hui, l'Éternel est ta lumière. Et toi, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est de ténèbres, qui se cache à côté ou bien derrière ou devant toi, comme l'Éternel est ta lumière, pendant que tu marches, ces gars, ces personnes, ces gens, tous ceux qui sont derrière, tout ce qui se passe, ils seront dévoilés, car l'Éternel est ta lumière. Tout ce qui est ténébreux sera dévoilé au nom puissant de Jésus. Tous les pièges qui ont été faits dans les ténèbres seront dévoilés au nom puissant de Jésus. Toutes les programmations du diable seront dévoilées au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel est ta lumière.
Il est ta lumière. Alléluia. Psaume 27, pardon, je vais écrire ça. Alléluia. Il est ta lumière. Et la parole continue en disant quoi? Il est ton salut. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce soir. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à avancer? Il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui m'ont écrit depuis l'Afrique en disant que vraiment, ils n'ont plus le moral. Des gens qui étaient confinés, elles commencent à perdre le moral. Vraiment, ce n'est pas facile. Je suis là pour te soutenir ce soir. Regarde, ne perds pas le moral. Regarde, ne sois pas dans l'inquiétude. Regarde, ne sois pas dans la crainte. Il dit ici que l'Éternel est ton salut. L'Éternel est ton salut. Le salut, c'est quoi? Le mot sozo en grec. Ça veut dire beaucoup de choses. Le mot salut, dans le mot salut, il y a la guérison. Est-ce que tu m'entends ici? Parce que en français ou en anglais, les traducteurs n'ont pas vraiment eu un mot qui pouvait traduire le mot salut. Donc ils ont mis salut. Mais sinon, dans le mot salut, il y a ta guérison. Dans le mot salut, il y a ta délivrance. Dans le mot salut, il y a ta percée. Dans le mot salut, il y a ta protection. Dans le mot salut, il y a ton mariage. Dans le mot salut, il y a ta paix, la paix de tes enfants, la protection de tes enfants, ton éducation, tes études. Dans le mot salut, il y a ton voyage. Est-ce que tu m'entends ce soir? Dans le mot salut, la Bible dit quoi? L'Éternel est ta lumière et l'Éternel est ton salut. Regarde, l'Éternel est ta lumière. Ce qui veut dire déjà que toi, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Regarde, de voir les gens financièrement, c'est une situation de ténèbres. Est-ce que tu m'entends ici? Quand tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement, tu es dans une situation de ténèbres. Est-ce que tu m'entends ici? Quand tu es manipulé par la sorcellerie depuis loin, tu es dans une situation de ténèbres. Est-ce que tu m'entends ici? Si tu es marié et tu avais la joie, et aujourd'hui tout est parti, il n'y a plus de joie dans ce mariage. Oui, c'est une situation de ténèbres. Mais la Bible te dit ce soir, dans le livre de Psaume chapitre 27, à partir du verset 1, que l'Éternel est ta lumière. Alors ces ténèbres-là ne t'appartiennent pas. Ces ténèbres n'appartiennent pas à ta maison. Ces ténèbres n'appartiennent pas à ton foyer. Ces ténèbres n'appartiennent pas à ta santé. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? L'Éternel, Dieu des armées, il est ma lumière. Alors je ne serai jamais dans les ténèbres. Voilà pourquoi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel, Dieu des armées, est ma lumière. Alléluia. Alors on continue. Il est mon salut. Il est ton salut. Ça veut dire que quoi? Que Dieu est ta guérison. Regarde un peu. C'est Dieu que moi je sers. Si ce Dieu est ta guérison, Rakabaya Santa, coronavirus n'est pas fort. Coronavirus n'est pas fort. Si c'est mon Dieu qui est ta guérison, si c'est mon Dieu qui est ton salut, coronavirus n'est pas fort. Parce que ce Dieu que je sers, il est plus fort. La Bible dit qu'il est omnipotent. Le Dieu qui est plus fort que tout ce qui est plus fort. Il est fort que le mot fort. Si c'est ce Dieu qui est ton salut, alors la victoire t'appartient. Alors la victoire t'appartient. Alors la victoire t'appartient. Alors la victoire t'appartient. Dieu est ton salut. Dieu est ta lumière. Ma soeur, arrête de pleurer. Mon frère, arrête de pleurer. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever contre cette situation. Il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans le jeûne. Il faut te lever dans la méditation. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. Dieu étant ton salut, ça veut dire beaucoup de choses. Et il pose la question, de qui aurais-je crainte? Nous sommes dans le livre de Psaume 27. Nous sommes sur le verset 1. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. Alléluia. Eh Seigneur Jésus, oh, aide-moi ce soir. Il dit ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est Dieu qui te soutient. Alléluia. C'est Dieu qui te soutient. Ce n'est pas un gouvernement qui te soutient. C'est Dieu qui te soutient. Ce n'est pas une situation qui te soutient.
Il dit que l'Éternel est le soutien de ta vie. Ma soeur, l'Éternel est le soutien de ta vie. Il est le soutien de ta vie. Si c'est Dieu du ciel, ce Dieu-là, le Dieu, si c'est de lui nous sommes en train de parler, et qui est en toi ton soutien, mais ta victoire, l'heure de ta victoire a sonné. L'heure de ta victoire a sonné. L'heure de ta victoire a sonné. Si l'Éternel est ton soutien, si l'Éternel est ton salut, si l'Éternel est ta lumière, je vais te dire ce soir que, oui, une pluie de délivrance arrive dans ta vie. Une grande pluie arrive. Reçois au nom de Jésus. Si l'Éternel est ton salut, si l'Éternel est ta lumière, si l'Éternel est ton soutien, oui, Satan, dégage de la vie de cette sœur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce seul verset déjà est très fort. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Je vais revenir sur verset 1, mais je vais rapidement dans le verset 2. Il dit, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont ceux-là, mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Alléluia. Quand les méchants se lèvent pour venir contre toi, quand les méchants se mettent ensemble, quand ils se mettent ensemble, ils font leur réunion pour venir t'attaquer, c'est eux-mêmes qui vont tomber. Alors je prends ce verset dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais prier pour toi. Les méchants qui se dirigeaient vers toi. Les méchants qui se dirigeaient vers toi. Dans le nom puissant de Jésus, en ce soir, que ces méchants tombent, selon ce verset, que ces méchants tombent dans leur propre piège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi. Que ces méchants tombent dans le nom de Jésus. Prie avec moi. La Bible dit que quand nous demandons, ce que nous demandons, nous sera donné. Et quand nous frappons à la porte sera ouverte. La Bible dit que quand nous cherchons, nous allons découvrir et retrouver et trouver ce que nous sommes en train de chercher. Pendant que tu pries ce soir, pendant que tu demandes ce soir, pendant que tu frappes à la porte ce soir, que l'Éternel Dieu des armées entende ta parole, qu'il entende ta supplication dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Tous les pièges qui ont été formés contre toi soient sans effet dans le nom puissant de Jésus. Les flèches enflammées de l'ennemi qui se dirigeait contre toi se retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les padlocks, les cadenas qui ont été mis sur ta vie et tu fais et ça fait que ta vie n'avance pas, ça fait que tu n'arrives pas à vraiment aboutir à quelque chose, que ces cadenas soient brisés, que ces cadenas soient brisés, que ces cadenas soient brisés. Je me joins à toi en ce moment présent et nous allons détruire et mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, la destruction, la confusion dans le camp de l'ennemi, la destruction, la confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, pasteur Capé. Reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rose Ngo, reçois. Emma Clarisse, reçois. Tu es venu ici, sur cette plateforme ce soir, afin de pouvoir recevoir quelque chose. Là, je veux, si tu es là, nous sommes vers la fin de la vidéo. Alléluia. Il faut envoyer des commentaires. Là, je sais que tu es là pour que, si possible, on puisse prier pour toi. Hélène Patricia Yaro, voilà, reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. GBS, Chain of GBS, reçois là où tu es. Toi et ta famille, toi et tes soeurs. Oui. Toi et tes soeurs, je vous vois, toi et tes soeurs, oui, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, oui, je dis bien, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, la manière dont tu cherches la face de l'Éternel, comme Ruth le faisait, que Dieu tu puisse te venir en aide, dans le nom puissant de Jésus. Eva Blanche, je parle de toi aussi, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Ida, reçois aussi cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Gaël, reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Emma, reçois. Clarisse, reçois. Marie, reçois maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout blocage, blocage marital, libère ses soeurs dans le nom puissant de Jésus, libère ses frères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manipulation de la sorcellerie, contrôle par le sorcier, je prends autorité contre l'homme fort de la famille et je dis.
dis dégage, je dis dégage, je dis dégage, dans le nom puissant de Jésus, l'homme fort de la famille, dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dégage maintenant même, dans le nom puissant de Jésus, libère la vie de ce frère, libère la vie de cette sœur. Satan, dégage! Dégage de la vie de cette sœur! Dégage de la vie de ce frère, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. L'Éternel est ton salut. Je veux que tu pars à la maison avec vraiment ce message. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est le soutien de ta vie. L'Éternel est ton salut. L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est le soutien de ta vie. Il est aussi ton berger. Il est ta sécurité. Il est ta forteresse. Il ne te laissera pas. Ne sois pas inquiet. Ne jette pas de regard inquiet. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi et commence à jubiler parce que l'Éternel, Dieu des armées, étend ses mains de faveur dans ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parlais tout à l'heure, il y a eu des mots, des mots, alléluia, qui ont été guéris. Alléluia. Parce qu'il y a eu plusieurs. Mots de pied, mots de bras, l'Éternel Dieu des armées a commencé à se manifester. Dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu voulais que je puisse dire ton nom, vraiment, et tu es venu ici pour la première fois, tu es en train de regarder vraiment ce programme. Je ne vais pas dire ton nom, mais je vais dire ce qui se passe. Il y a un problème de cancer qui se passe actuellement dans ton corps. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Mais mon Dieu est grand. Et comme il est grand, quand il révèle ce qu'il révèle, il restaure cela. Il a révélé que oui, tu traverses une situation de cancer et c'est vraiment difficile. Et actuellement, tu commences à compter tes jours. Tu commences à avoir peur. Voilà. Mais reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et toi, tu m'enverras ton témoignage comme plusieurs autres personnes ont fait concernant le cancer, concernant d'autres choses. Tu vas m'envoyer ton témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois le cancer guéri dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Hépatite B ou bien c'est pas B ou bien A, je n'arrive pas à bien prononcer cette maladie. Je vois cette maladie être guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Je vois la stérilité disparaît. Je vois la stérilité dans la vie de quelqu'un maintenant même. Reçois ta percée, reçois. Regarde, les témoignages que tu vois sur ma page, voilà comment les gens ont reçu leur percée. Alléluia, reçois maintenant même. Je vois la paix en train de chercher à rentrer dans un foyer, dans un couple. La paix va venir, mais tu as besoin d'ouvrir tes mains. Ouvre tes mains et dis, je reçois cela. Que la paix touche mon foyer, l'entente touche mon foyer. L'amour touche mon foyer, la grâce de Dieu, l'unité touche mon foyer. Maintenant même, reçois, parce que ça vient vers toi. Ne laisse pas cette paix aller ailleurs. Regarde, il faut l'accepter, il faut recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Encore, je vois encore, la stérilité est vaincue. Stérilité, tu es vaincu. Stérilité, tu es vaincu. Dans le nom puissant de Jésus, je vois encore une sœur qui reçoit. Elle reçoit. Dans le nom puissant de Jésus, je vois un frère, tu as un problème. Tu as un problème de terrain. Le terrain que tu as été vendu à plus de 6 personnes. Tu m'as pas envoyé de demande de prière sur WhatsApp. Donc, faut pas que les gens vont penser que je suis en train de lire le sujet de prière sur WhatsApp que tu as envoyé. Non. Voilà ce que je vois. Le terrain que tu as a été vendu à plusieurs personnes, à 6 personnes. Et tu commences à sentir des choses. C'est-à-dire que les problèmes commencent. Et voilà, les problèmes commencent. Et c'est sérieux parce que tu risques de perdre le terrain parce que ça appartient non seulement à toi, mais à plusieurs autres personnes aussi. Alors, tu as été trompé. Ils t'ont menti, ils t'ont vendu ce qui a déjà été vendu à quelqu'un. Alors, voilà le problème que tu as. Tu m'entends bien? Voilà le problème que tu as. Voilà. Maintenant, quand tu as eu les papiers qu'on t'a donné, je crois qu'on t'a donné, trois papiers. Dans les trois papiers, il y a un qui est bon. Les deux autres là ne sont pas bons. Est-ce que tu m'entends ici? Il y a un papier qui est bon, les deux autres ne sont pas bons. Il y a deux papiers qui ont été écrits avec bic bleu, stylo. Est-ce que tu m'entends? Tu as trois papiers. Il y a deux qui ont été écrits avec, ça dit qu'ils ont rempli ça avec le stylo bleu. Maintenant, il y a un papier qui est, c'est une photocopie, mais il y a seulement qu'une signature dessus et la signature est aussi en stylo. Tu m'entends? La signature n'est pas une photocopie.
C'est ce papier qui est le bon papier que tu vas utiliser pour te défendre en justice pour que le terrain te revienne. Voilà. Prends cette prophétie. Ça t'appartient. Prends cette prophétie. Alléluia, alléluia. Je vois la vie de quelqu'un. Tu as déménagé dans une nouvelle maison. Ce n'est pas une maison qui vient nouvellement d'être construite. Alléluia. Mais c'est, pour toi, c'est une nouvelle maison parce que tu viens de déménager dedans. Et depuis que tu as déménagé dans cette maison, les choses ont commencé. Vraiment, les choses ont changé. Les choses, ça n'avance pas. Rien n'avance. Regarde, je vais te donner d'autres... comment il faut dire ça? D'autres... je ne sais pas comment dire ça en français. Mais je vais te dire, voilà, je vais te donner certaines informations pour que tu puisses te retrouver. Regarde, depuis que tu es rentré dans la nouvelle maison, tu ne rêves plus. Mais avant, tu rêvais. Tu rêvais et tes rêves se réalisaient. Mais tu ne rêves plus. Et quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu es fatigué et tu n'as pas envie d'aller faire tes affaires comme tu fais d'habitude. Tu viens de rentrer dans une nouvelle maison. Est-ce que tu m'entends ici? Et voilà ce qui se passe. Maintenant, écoute-moi. C'est très simple. La maison a besoin de délivrance. Alors, si tu es un pasteur, un homme de Dieu avec qui tu pries, ou bien vraiment, oui, un homme de Dieu avec qui tu pries, tu peux expliquer la situation à l'homme de Dieu. Il va te confirmer ce que je te dis. Il va venir prier dans ta maison. La maison est sanctifiée. Affaire est faite. Si tu n'as pas de pasteur ni d'homme de Dieu avec qui, qui peut venir prier pour toi, alors envoie-moi un message sur le WhatsApp. Je vais te donner les directions par rapport à comment faire pour avoir une huile d'onction. Et je vais te dire comment tu vas l'utiliser pour que ta maison soit sanctifiée, pour que ta maison soit vraiment... pour que ces esprits soient chassés de la maison. En fait, quelque chose s'est passé dans la maison avant que toi tu n'arrives là. Il y a des gens qui habitaient dans cette maison. Pas les gens qui habitaient tout juste avant toi. Non. Ceux qui habitaient avant toi ont traversé la même situation. Et à cause de cette situation, ils ont décidé de déménager de cette maison. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, toi, tu es venu, tu prends les mêmes pots cassés. À cause de ceux qui habitaient avant. Pas tout juste avant toi, mais avant ceux qui étaient avant toi. Tu m'entends ici? Il y a des choses qui sont passées. Je ne vais pas tout dire. Envoie-moi le WhatsApp. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as un enfant, actuellement, je parle de quelqu'un. Tu as un enfant, l'enfant a un mal de ventre très fort. Ça se passe actuellement. Impose ta main droite sur le ventre de l'enfant et invoque le nom de Jésus sept fois. Tu mets ta main là, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Jusqu'à, tu le dis sept fois, ton enfant sera restauré, guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu continue de se manifester dans la vie de ceux-là qui regardent actuellement. Alors, nous sommes vers la fin. Il nous reste quelques petites secondes, sinon minutes de nos programmes. Alléluia. Le jeûne vraiment est actuellement en train de se passer. C'est difficile. Moi, mon jeûne, c'est à sec. Je le continue. Et vraiment, c'est pas facile. On continue le jeûne. On continue la prière pour que quelque chose se passe. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui ont pu jeûner, amen. Ceux qui n'ont pas pu jeûner aussi, c'est pas grave. Prochainement, je crois que l'opportunité vous est donnée de pouvoir jeûner aussi les mercredis. Parce qu'il y a des situations qui ne vont jamais changer tant que tu ne jeûnes pas. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a des cas qui peuvent changer sans le jeûne. Tu pries et puis ça va. Mais il y a des cas, il faut jeûner. Et souvent même, il faut jeûner à plusieurs reprises. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit prend le dessus de ton corps. Et comme Dieu est esprit, alors la communication entre toi, ton esprit et Dieu devient très facile. Mais quand tu ne jeûnes pas, tu manges là et puis tu vas dormir bien saoulé avec le ventre, avec la nourriture. Tu vois, c'est difficile d'entendre ce que Dieu est en train de te dire. Et ton réveil descend dans le bas-fond. Voilà pourquoi c'est important de jeûner. Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la bonté de l'Éternel se révèle dans ta vie. Merci pour ce soir parce que toi et moi, nous avions prié ensemble contre Satan afin qu'il dégage de notre vie. Oui, nous avions prié ensemble pour accepter cette grande pluie qui arrive, la pluie de bénédiction qui arrive dans notre vie pour que vraiment ce fléau soit entièrement lavé de la surface de la terre. Oui, on a accepté cette prophétie et nous sommes là, nous allons voir la prophétie se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans notre vie. Je prie en ce moment maintenant pour que si tu as des sujets de prière personnels, il faut les envoyer à travers mon WhatsApp.
comme tu le sais, pour ceux qui le savent déjà, tu envoies ton sur de prière. Et puis bon, j'imprime, je mets ce sur de prière sur ma table de prière, sur mon hôtel de prière, pardon. Et puis je prie pour ça. Et toi, tu auras un témoignage. Et c'est gratuit. Alléluia. Si tu veux nous soutenir dans le, comment on appelle, si tu veux soutenir ce ministère de AC et AC, tu peux aller sur notre site internet où tu pourras nous soutenir. Il y a beaucoup de manières de nous soutenir là-bas. Voilà, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour pouvoir nous soutenir. Je vais mettre cette page de soutien, voilà, pour que tu puisses voir notre compte bancaire et puis le numéro de téléphone que tu peux utiliser ou bien le PayPal, voilà, pour pouvoir soutenir le ministère. Notre site web, c'est mdmuglobal.net. Voilà. Donc, je mets ça. Nous avons Alléluia. Que le Seigneur se manifeste et continue de se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous avions fini. Et vraiment, que vous passiez une bonne soirée et que vraiment le reste de la semaine soit superbe pour vous dans le nom puissant de Jésus. Il y a des moments où j'aurai des programmes en anglais. Donc, je vais toujours mettre le titre. Si c'est en anglais, je vais mettre aussi en anglais. Pour que quand tu vois que c'est en anglais, là, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Puis si tu ne comprends pas l'anglais. Voilà, donc voilà pourquoi souvent tu vas voir qu'il y a des programmes en anglais, surtout les vendredis soirs et les dimanches où nous faisons les cultes d'ici, et les choses seront en anglais. Voilà, maintenant les mercredis et puis d'autres jours, les choses seront aussi en français. Allez, bonne soirée, allez, on ensemble, bye bye.